Donc ça au moins c'est fait, relique d'or. Une 10-30, ça va, je suis satisfait sans plus. Que le moniteur ça sert juste à prendre coco. Il n'y a rien après. Il n'y a rien. D'accord. Donc tu es au courant que tu dis. Tu dis n'importe quoi. Alors, monde numéro 3, c'est fait. On a déjà la relique. Monde numéro 4, c'est fait. On a déjà la relique. Monde numéro 5. C'est pas fait, c'est un monde du jet ski. Encore une fois. Autour du moniteur. Alors, on reparlera de tout ça après le jet ski, parce que le jet ski c'est toujours les bonnes ambiances. Donc là le but est d'aller vite. Plus vite jusqu'à la ligne d'arrivée en prenant les caisses jaunes si possible. Pour l'instant c'est pas trop mal. Alors, les boulets de canon avec le bateau qui tire, c'est toujours les grands moments. Et ça va, on a bien géré. Est-ce que le détour pour prendre cette caisse de 1, quelque chose qu'il faut faire ou pas? Alors là, faire attention au bateau. On peut passer par là, c'est plus court. C'est parfait. La petite chicane de bombe. Voilà, solide. On peut se replacer pour prendre ce tremplin. Voilà, après les deux caisses, c'est très très bien. Il y a un autre tremplin avec un masque et une caisse de je sais pas combien, je crois. Par contre, on a dû contourner pour esquiver les bombes. Ça, on peut rush. C'est bien qu'on ait deux masques, on va pouvoir tanker des choses à... Pour l'instant, c'est une course qui se passe sans vraiment trop d'embûches. Là, faut prendre serré, serré, serré. Parfait. Là, si on prend les 3, c'est gagné. On a pris que 2 sur 3. Lui, on le tank, tant pis. Il va pas se trouver devant parce que là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Nous avons fait 1 minute 02:29. C'est suffisant. À quoi servent les masques? Les masques, ça sert simplement... Purée, merde, il s'est fait time out, n'a rien 86. Alors les masques servent simplement à encaisser des coups à ta place, parce que dans Crash Bandicoot, quand tu meurs... Enfin, quand tu te fais toucher, tu meurs. Et les masques permettent de prendre un coup avant que tu meurs. Et tu peux cumuler jusqu'à 3 masques pour être invincible pendant une courte durée. Attendez, faut que je corrige Moobot parce que Moobot fait un peu trop le show. Mais en plus, Narayan 90, je devrais le mettre modo en fait, comme ça. Comme ça, il pourrait spam toute sa vie. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Bon, on va faire mieux, on va faire hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Normalement, tu as à nouveau droit à la parole, Narayan 86. Normalement, c'est bon. Donc, on en est où? On en est. Donc ça, c'est fait. Voilà, on a fait toute la première plateforme en relique dorée. C'est parfait, on peut passer à la suivante.
Là c'est fait. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 7 c'est pas fait. En game high, c'est pas fait. Faut qu'on y aille. Voilà, donc ça c'est les niveaux que je préfère. Parce que dans Crash Bandicoot 3, il y a trop de diversité avec le jet ski, les niveaux sous l'eau, les niveaux en avion, les niveaux en moto. Et toi tu es à bout, c'est ça? Sinon on peut gruger comme ça. Sinon, si, pour faire fi des priorités, on peut gruger comme ça, va beaucoup plus vite. Moi, les angles droits, j'aime bien la géométrie, mais quand même, faut pas pousser. Là, c'est pareil, quoi. On peut gruger comme ça, parce que les angles droits, c'est gentil, mais vu qu'on n'a pas toute la vie... C'est parti, à fond Jean-Michel. Il a jamais voulu mourir. Allez, c'est la fin. 48-50, voilà, ça c'est un temps qui est beaucoup plus honorable. C'est parfait. On sent le mec en a marre de faire le même niveau trois fois. Encore les niveaux comme ça, ça va. Les niveaux avec la moto... On n'a pas le temps pour danser. Oui, allez, voilà, le niveau avec la moto, exemple parfait. 45-43. Faut faire 44-43, incroyable, j'ai juste une seconde de retard, pile. On va essayer de corriger ça. Là, si on rate pas la fin, ça va mieux se passer. Et le départ n'était pas fou. Puis là, faut se mettre à droite car il y a un turbo à prendre. Peut-être une pièce. Pas mal exécuté tout ça. Vas-y s'il te plaît, avance. Non, il vient pas m'envoyer dans le décor. Parfait. Là, on a bien fait les choses, donc ici il faut éviter de se rater les gars, ok? Ce turbo là il est pas très nécessaire, voilà, c'est surtout celui-là. Il faut prendre, passer le pont. 43-77. C'est bon ou pas? On avait dit qu'il fallait faire combien? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon. Parfait, 43-77. Parce que oui, 1. Et sur Crash Bandicoot 2. Et là on en est au 3. Comme ça c'est fait, comme ça une fois qu'on a fait ça, la trilogie sera complète. On pourra jouer à FF12 le 11 juillet. Donc Hogride c'est fait. Numéro 9. Bomb Time c'est déjà fait. Numéro 10. Midnight Run c'est déjà fait. Parfait. Nomai, donc c'est fait. Deep Trouble, ah, encore les niveaux dans l'eau. La grande passion. Très bien. Bon, on était pas trop mal. La fin était juste après ces deux trucs. Hein. Je vous le dis. Là, vous serez surpris. Là, ce serait bien que tu tires un missile. Parce que quand on accélère, on peut faire tirer le missile en même temps. Soit l'un, soit l'autre, faut choisir. Faire des choix dans la vie. On peut
pas grugé. On aurait pu tanker avec un masque, je pense que ça serait passé. On perd un milliard d'années, mais c'est pas grave. Mange bien tes dents, le requin. Accélère, c'est ta dernière chance. Une 13, 4, une 14, 25. Ok, ça passe. Je suis soulagé. À me faire des cures de yoga sous les cascades. Les cascades du mont Himalaya, bien sûr. Font qu'aujourd'hui, je suis insensible à toutes ces choses. Hike time. À poil bien sûr. Bah oui, à poil bien sûr. Mange bien tes dents. Bah oui. Il faut. Ah, là j'ai fait n'importe quoi du coup. C'est bon, on a rattrapé à peu près la chose. Alors bonjour hein, en passant, moi je réponds aux gens mais je dis pas bonjour. Ce timing de tapis. Voilà, là je peux pas faire mieux. 59 secondes 27. Là je pense que c'est bon. Merci à toi, petite Chipolata. Depuis que tu es arrivé, tout se passe bien. Donc je t'en prie, reste là. Et tout se passera pour le mieux. Ok, alors faisons un point sur la situation. Nous sommes à... il reste 3 reliques saphir à mettre en or. Il y aura 5 reliques de niveau 26-30 à faire. En or, bien sûr, également. Alors, voie de crash. Ah, voilà. Encore un niveau avec la moto. On n'a pas vu le classement. Mais c'est pas grave. Vous savez que... quand je suis possédé par l'esprit de Jean Alési, rien ne m'arrête sur les routes. Donc, tout va bien se passer, vous allez voir. Alors sur ce circuit, par contre, il y a un milliard de caisses jaunes à prendre. On veut gagner du temps, bien sûr. Donc par contre, ça sert à rien de manger le gravier. Et c'est l'esprit de Jean Alési, je vous l'avais dit. On n'invente rien. Virage serré, 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 serré. Il lui a fait l'intérieur. Là, on est obligé de prendre le pont puisqu'il y a un trou. Et on refait l'intérieur.
belle courbe. Ça, faut le prendre, c'est important. C'est le truc le plus important. Ouais. C'est un peu moyen, mais c'est bon, ça passe. Ça passe. Réussi à pas lui tamponner le cul. C'est parfait. Et caisse. Ah ouais, sauf que là, ouais, à chaque fois, j'oublie. Et là, on lui passe devant. Et là, on lui a grillé la priorité jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, on est premier. Alors là, faut faire gaffe parce qu'il y a des slaloms de trous. Notamment ici, le trou de la fin. Est-ce que le temps n'est pas bon, là? On a fait combien? 1:22:47. Oh là là! Oh, ce spectacle! Oh là là, pole position! Pole position, relique de platine. Voilà, cette pole position. Ouais, je crois pas qu'il y ait un klaxon sur cette moto, en plus. Qu'est-ce que t'as pensé? Là, c'est fait, relique de platine. Celle-là, c'est fait en or. On peut passer à la zone suivante. On n'est pas loin de la fin, les gars. Sphinclinator, c'est fait. Il y en a un où c'est pas fait, je sais, c'est Tomboider. Tell No Tales, c'est fait. Ah, c'est par rapport à Petite Chipolata. D'accord. Tomboider, c'est parti. Alors, celui-ci est très technique. Un niveau très technique, je m'en rappelle très bien. Manger la glissade. Et là, je suis parti bien trop tôt. Tous les timings sont pas bons du tout. Ouais, on va s'arrêter ici, même si je pense que c'est un peu gâché. Oh. Là, on perd trop de temps, voyons. Là, c'est la fin. 1:39:18. C'est suffisant ou pas? Oh, c'est suffisant. Tranquille. On a traîné en plus. On a traîné, mais c'est suffisant. Parfait.